Alors, j'ai pris ça. Oh my god! J'en reviens pas! Qu'est-ce que j'ai fait? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans cette vidéo où je vais me défriser les cheveux. Vous avez déjà vu la vidéo où je me coupe les cheveux. En réalité, je me suis coupé les cheveux il y a comme 2 ou 3 semaines. Et puis voilà quoi, j'ai décidé que je vais me défriser les cheveux aujourd'hui. Et j'ai décidé que j'allais le faire en caméra avec vous. J'ai fait quelques petites recherches là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est suffisant pour en faire une vidéo qui pourra peut-être aider des gens à l'avenir. On ne sait jamais. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, continuez de regarder. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Et activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Venez également me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Je suis active là-bas tous les jours quand je ne suis pas ici sur YouTube. Également, likez la vidéo si le contenu vous plaît à the end of the day. Et c'est parti! Alors, si vous avez manqué la vidéo où je coupe mes cheveux, normalement, elle sort avant celle-ci. Si vous avez manqué cette vidéo-là, allez-y la regarder parce que là-bas, j'explique en détail le pourquoi, du comment, de voilà, tout ça. Je donne également des informations par rapport à ma Lux Journey, ce qui n'a pas marché et également toutes les informations dont vous avez besoin, que vous avez besoin de savoir avant de vous lancer dans l'aventure des Lux. Ok, donc, alors, j'ai pris ça. Je pense que je vous ai déjà montré ça dans la vidéo où je me coupe les cheveux. J'ai pris ça, donc je vais simplement faire un petit mélange vite fait. Et j'ai déjà également appliqué de la vaseline tout autour, aussi un peu sur le cuir chevelu. Je ne sais pas quand était la dernière fois que je me suis défrisé les cheveux. Franchement, ça remonte à super longtemps. D'accord. Il y a ça dans le sachet et il y a également un shampoing neutralisant. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un shampoing neutralisant, mais c'est un shampoing qui va venir neutraliser les effets du défrisant, quoi. Donc dès que ça touche ta tête là et qu'il y a encore le défrisant sur ta tête, ça va neutraliser l'effet du défrisant. Je vais venir couper ici. Voilà. J'ai une boîte ici, c'est propre et c'est sec. Je vais venir mettre les deux. Je crois qu'il faut mélanger, non? Anyway, je pense qu'il faut mélanger. Donc, je mélange. Je vais tout mettre. Hein. Je pense que normalement, ça devrait suffire. Vous voyez, quand j'aurai plusieurs caméras, ça, c'est les plans que je vais vous faire magiques. Parce que là, maintenant, vous ne pouvez pas voir. Exactly what I'm doing. Comme j'ai pas de gants avec ça, j'ai prévu des plastiques. Parce que c'est pas conseillé de se défriser les cheveux comme ça en touchant directement le défrisant. Ils sont là. C'est ça qui va me servir de gants, là, for today. Donc, on a quelque chose comme ça. Et puis, je vais venir mélanger. J'espère que ça va donner. J'ai comme l'impression qu'il y a des chances que je me gourre. Je vais quand même essayer de lire un tout petit peu. Ok, d'accord, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai fait exactement ce qu'il faut. Ils ont dit qu'on remue jusqu'à ce que la couleur est uniforme. Et c'est le cas en ce moment. Voilà, là on est bon. On va commencer l'application. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord gérer. Oh my god, c'est quand même quelque chose. Je sais pas quand était la dernière fois que je me suis défrisée. Je pense que ça remonte à comme... Ça remonte à peut-être 9 ans, hein? 10 ans peut-être. Anyway, let's go. Mon gant n'est pas optimal. Putain, ça a touché mon cuir chevelu, mon frère. Là, là, là. Tu es pressé. Moi qui parlais là, je suis même sûre que ça va suffire. Ah, ah. Je suis même pas sûre que ça va suffire. Dans ma tête, je savais que ça allait rester. Mais là, là, c'est comme si... Bon, je sais pas si c'est ce que je dois faire, mais je vais quand même peigner un peu. Les cheveux, ils sont même pas courts, hein, pour dire vrai. C'est pas court. Je vous jure que je suis choquée par la taille de mes cheveux. Ok, ça commence à passer. Ok, là ça passe super bien. Si ma chaîne part dans tous les sens, faites pas attention. C'est une chaîne qui est censée être longue, mais comme je veux pas que ce soit long, j'ai reculé ça derrière. Et du coup, ça fait ce que ça veut. Ah!
pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais macérer. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais je me souviens que quand je me défrisais encore là, on avait l'habitude de... Ou c'est macérer, ou c'est masser. J'essaie de passer la main comme ça pour sentir s'il y a les parties qui sont encore... Ça commence à piquer, ça commence à piquer. Attendez, je vais mettre rapidement là devant. Oh my god! Oh my god! J'ai vu les filles sur internet mettre un truc là, comme un chapeau en plastique pour laisser poser. Je sais pas si j'ai envie de faire ça, honnêtement. On se reprend tout à l'heure quand j'aurai lavé. Ok, je vais laver et puis je reviens. J'arrive. Ok, me voici de retour. Voilà ce qu'on a. Bon, j'ai vu qu'une fille, elle avait rajouté comme une huile végétale. Et si là j'ai de l'huile de coco, je vais mettre ça dessus. Oh my god! Et j'ai l'impression que j'ai une brûlure aussi. J'espère que c'est pas trop grave. Donc voilà, je vais aussi mettre le leave-in conditioner ici de la même marque, Mega Growth. Je vais pas trop mettre, c'est vraiment pas trop de choses dans mes cheveux. Okay. Il va falloir que je me taille les cheveux. Je sais pas si vous pouvez voir comment il y a plein de mèches qui débordent là, mais franchement là j'ai pas la force de ça aujourd'hui. Je vais peut-être aller au salon pour faire ça, ou alors je vais m'asseoir pour bien faire ça. J'avais oublié combien mes cheveux étaient fins. Ouf. Mes cheveux sont ultra fins, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté de me défriser, parce que c'est ultra fin. Je pense que je vais couper ici. Je sais même pas comment faire ça. Bref, je vais laisser, je vais faire ça après. Il est 2h les amis, 2h du mat. Ça refuse de se coucher. Blague avec moi. J'arrive. Ok. Et so, voici le look définitif. J'ai fait un léger make-up. Surtout que je vais faire d'autres vidéos juste après. Donc voilà un tout petit peu ce que ça fait. J'ai coupé les cheveux qui étaient ici derrière là. Et voilà, ok. Si vous voulez en voir plus, de toutes les façons, je vais faire plusieurs vidéos avec ce look-ci. Donc forcément, vous allez voir plus de ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À me dire si vous pensez que c'est un gâchis, si vous pensez que j'étais mieux avec mes locks slash cheveux naturels. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez également la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Venez me rejoindre sur mes réseaux Facebook, Instagram, TikTok. Quand je ne suis pas ici, je suis là-bas tous les jours. En attendant une prochaine vidéo, je vous mets la dernière vidéo juste ici au cas où vous l'auriez manqué. Ciao.